Salut à tous, bienvenue dans l'antre. On se retrouve aujourd'hui avec un truc que j'aurais dû vous présenter il y a déjà quasiment un an. Mais bon, vous savez ce que c'est, enfin non, vous savez peut-être pas. Mais bon, des fois on n'a pas envie, des fois on n'a plus le temps, des fois on a oublié qu'on avait ça. Mais je pense qu'il n'est pas trop tard pour vous présenter le Chiappa Rhino 50DS de chez BO Manufacture. Et c'est juste après ça. Et avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier la boutique Power Gun qui m'a transmis cette réplique. Enfin, je l'ai acheté en fait, hein, mais ils m'ont fait quand même une petite ristourne dessus. Quand c'est sorti, je me suis dit, ah, faut absolument faire une vidéo avec ça, ça va plaire aux collectionneurs et tout. Et puis en définitive, j'ai reçu d'autres trucs, j'ai racheté d'autres trucs, j'ai fait plein d'autres trucs. Et puis voilà, ça fait tout plein de trucs. Alors ce Chiappa, il est proposé par BO Manufacture, qui a collaboré et avec Chiappa Firearms en Italie et avec Wingun à Taïwan pour nous proposer, là en l'occurrence, ce kit. Alors je sais pas si on peut l'appeler Deluxe ou Collector, mais c'est un kit qui était vendu quand même aux alentours de 250-260 euros, avec deux types de finitions différentes, soit noir, soit chromé. On le trouve également aux alentours de 170 euros en version normale, hein, sans la mallette, sans les accessoires RS, etc. Parce que oui, il s'agit d'une boîte fournie par Chiappa Firearms, dans laquelle nous allons trouver pas mal de choses. Hop là. Donc ici vous voyez, moi j'ai la version noire, la version Charging Rhino. Donc la réplique ici, bien évidemment, en version 6 mm Airsoft. BO a également sorti des versions 4.5, version à plomb. Hein. Et la boîte n'est pas si vide qu'elle en a l'air, parce que sous la mousse ici du couvercle, on a une pochette qui est bourrée de trucs. Avant tout, on a le manuel d'utilisation. On peut voir ici les deux versions. Hein, du Rhino 50DS. Alors DS, ça veut dire double et simple action. Voilà, donc ça, ce sont les modèles normaux, ce ne sont pas les modèles collector. On peut voir que le grip est marron. Ici, on vous présente les différentes fonctionnalités de la réplique, avec également bien, les choses un petit peu spécifiques à ce Chiappa Rhino, notamment le canon qui est aligné sur le bas du barillet, le témoin d'armement ici, la forme du barillet, qui est hexagonale. Ça, on gagne de la place et du poids. Et puis voilà comment se servir de toutes les fonctions de la réplique, ou presque, l'éclater à la fin. Bon, bah si vous avez un Dan Wesson chez vous, vous savez ce que fait un petit peu Wingun. Hein. Ils font pas mal de revolvers à CO2. On trouve également un autocollant, un patch collector, voilà, qu'on ne trouve que dans cette boîte. Si vous achetez le Chiappa normal, il n'y sera pas. Avec un petit Einstein là, en train de s'éclater avec deux Chiappa Rhino. La légende dirait que j'ai acheté la réplique uniquement pour avoir ce patch. Non, quand même. Ici, on a une clé qui est la clé de réglage du hop-up. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ce délire? Une clé de 12 pour régler un hop-up? On verra ça tout à l'heure ensemble. Ici, des pièces qui viennent de chez Chiappa également. Un anneau certainement anti-percussion, quelque chose comme ça. Un outil de réglage de la hausse, et puis ici ce qu'ils appellent un moon clip, en fait c'est une sorte de speed loader. Vous allez insérer vos étuis ici dans les demi-lunes, hein, et puis vous allez pouvoir charger vos six balles d'un seul coup. Je fais tout tomber. Et puis on a six cartouches, six shells, vous les appelez comme vous voulez, enfin voilà, on peut appeler ça une cartouche, hein. Donc, qui sont en métal avec un bout ici en caoutchouc. Ce sont tout simplement des cartouches type Dan Wesson. Ici les versions high power, on peut trouver les versions low power. On verra combien ça sort au chrony tout à l'heure. Hop, encore une petite bille là. Bah oui, j'ai essayé quand même la réplique avant, hein, ça fait un an que je l'ai. Donc il y en a 6, si vous en voulez d'autres, eh bien il faudra en acheter. Et bien sûr, dans cette mallette, on retrouve un Chiappa Rhino 50DS Charging Rhino. Et on va en parler tout de suite. Chiappa Firearms, ça n'est pas une entreprise qui est nouvelle dans le secteur, hein. C'est une entreprise italienne fondée en 1958. Par contre, le Rhino, le design date de 2008, et c'est vraiment très très particulier comme design, parce que Chiappa a décidé que contrairement à un revolver normal sur lequel le canon est aligné sur la chambre supérieure du barillet, eh bien là, ils allaient aligner le canon sur la chambre basse du barillet. Ici, on va avoir notre recul qui va se faire comme ceci, qui va bien nous lever
le poignet. Alors que là, le coup part d'ici. On est dans l'alignement de notre main. Ça nous permet de mieux contrôler le recul. Et puis, ils ont choisi bien sûr un barillet hexagonal qui permet de gagner en place et en poids. Le vrai est en alu, ici on a vraisemblablement du Zamac, ce qui fait qu'on va avoir une masse supérieure à la vraie arme. Le vrai Chiappa fait dans les 800 grammes, ici il fait 1100 grammes, et il mesure 241 mm. Alors ce qui est intéressant, enfin la légende voudrait, en tout cas la fiche technique de ce rhino, voudrait que, effectivement, il était conçu et élaboré par BO Manufacture en partenariat avec Wingun et avec également Chiappa, qu'il serait fabriqué à Taïwan, mais serait assemblé en Italie, dans les locaux de Chiappa à Brescia. Ça, je ne peux pas vous le confirmer, ni vous l'affirmer. Intéressons-nous aux détails de ce rhino. Donc, ici, ce qu'on peut voir sur le côté gauche déjà, c'est les marquages Airsoft. Donc ça, c'est pour pouvoir être vendu en Allemagne. 6 mm Airsoft. Charging rhino ici. Également là. Les marquages, donc ici le petit rhinocéros, rhino 50DS, 357 Magnum, licence par Chiappa Firearms Italy, le numéro de série. Et sur la crosse ici, alors cette crosse est en plastique, c'est d'imitation bois, de couleur gris-noir, c'est une édition spéciale pour l'édition spéciale, voilà, du Chiappa. Avec ici le logo du rhinocéros. Voilà. Une texture assez sympa. Alors bon, ça fait bien plastique, hein. On n'est pas sur les bois type Tokyo Marui par exemple des dernières AKM. La prise en main est assez spéciale. Alors moi je suis pas fan des revolvers, hein, niveau prise en main. Mais c'est quand même relativement agréable. Notamment par rapport à un Colt. On peut voir une encoche ici et puis une vis, on en parlera tout à l'heure. C'est une réplique au CO2. C'est assez massif quand même, le kilo on le sent bien. Hein. Donc le corps tout noir, le cylindre argenté, la queue de détente également. On a ici ce qui pourrait ressembler à un marteau, mais en fait le marteau est interne sur le Chiappa. Ici en fait c'est un système qui va permettre d'armer la réplique, mais ce n'est pas le marteau. Et lorsqu'on arme la réplique, ici il y a un témoin. Voilà. Et lorsqu'on va tirer, voilà, il se lève un petit peu. Je suis en sûreté quoi. Non. Voilà. Et là, il se baisse. Et en double action, c'est pareil. Voilà, ça lève, ça lève, ça lève. On tire et ça se rebaisse. Il y a un petit cran de sûreté ici qui va permettre de bloquer le tir. Voilà. Le levier ici permet de déverrouiller le barillet. Barillet ou cylindre, hein, vous appelez ça comme vous voulez. Vous voyez sa forme hexagonale. La tige ici pour extraire les étuis vides. Ici, le conduit qui nous amène au canon interne. Et le réglage du hop-up est ici. Voilà. On a une clé. Il y a 6 crans de réglage. Le problème qu'il y a, c'est que ça ne va pas de 0 ou de 1 à 6 ou de 0 à 6 ou de 1 à 7. Enfin, je ne sais pas comment on pourrait numéroter ça. Ça fait des tours à l'infini. Donc, il va vraiment falloir déterminer où est le minimum, où est le maximum. Et éventuellement, faire une petite marque. Ah, ça j'aime. Regardez ici les ouvertures au niveau de la carcasse. Hein, en définitive, hein, c'est la carcasse car... Vous voyez, le canon est ici, hein, il est bien en bas. Le guidon ici est une pièce RS, d'après la fiche technique. Et la hausse également. Voilà. Les deux pièces sont munies de fibres optiques. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment RS, parce que la fibre optique à l'avant là, a tendance à se barrer. Donc, j'espère que Chiappa fait des contrôles qualité un peu plus poussés que ça. Enfin, je sais pas, après, bon, ça peut arriver, hein, une petite fibre qui bouge. Et donc, on va pouvoir régler ici, grâce à cette clé, eh bien, la hausse ainsi que la dérive. La visée est assez sympa. Donc, ici, par exemple, on va pouvoir mettre cette pièce, alors qui ne sert à rien sur la réplique. Hein. Voilà, je suppose que ça va permettre de ne pas percuter. Voilà, c'est une sorte de sécurité lorsque votre arme est sur le pas de tir. Ou alors si elle est dans votre coffre. Et on a également cette pièce qui est un levier qui va aller avec le moon clip. Ce moon clip, en fait, alors qui est une pièce RS bien sûr, hein, qui va venir chausser vos bastos, et eh bien elle est là pour qu'on puisse ici mettre nos fausses cartouches. Alors sauf que voilà, il faut vraiment insérer en tournant. Et là je remercie monsieur Leponc qui lui est un vrai Chiappa Rhino, qui m'a montré l'astuce.
et qui m'a expliqué à quoi servaient toutes ces différentes pièces RS. Alors c'est pas facile, hein, surtout quand c'est neuf là. Voilà ici sur le Moonclip. Alors pour mettre les billes, moi ce que je fais, je m'embête pas. Je les pose sur un truc dur. Hop, hop, hop. Ça m'évite de les mettre à la main. Et ensuite, voilà. Comme ça qu'on retire le tout. Et bien on retire le tout. Et ensuite on a cet outil pour venir les retirer. On imprime un mouvement de rotation. Alors c'est plus facile avec des vraies cartouches. Hein. Mais bon, voilà, le principe c'est ça. On vient imprimer un mouvement de rotation et ça va nous éjecter notre étui vide du coup, ou notre cartouche du Moonclip. Enfin là c'est très très balèze. Hein. Ça veut dire je les ai mises au maillet. Hein. Donc pour les retirer avec un petit bras de levier comme ça, c'est pas forcément évident. Bah, puis j'essaye de pas tout péter, voilà. Voilà. Je vais réussir à me blesser avec ce machin. Hein. Et voilà. Bon. Le Moonclip, moi je pense que je vais le garder dans sa petite boîte. Et puis ça ira très bien. On peut tout à fait ici mettre nos cartouches à la main. Voilà. Et ensuite les éjecter comme ceci. Bon, quand vous n'avez pas de caméra, c'est plus facile. Ça peut s'éjecter directement dans votre main. Et je vous le disais, cette réplique est une réplique à CO2. Donc ici, on a une encoche. On va mettre son doigt. On retire la partie gauche de la crosse. Ici, il y a la clé de serrage et de desserrage de la cartouche de CO2. Voilà, ça se met comme ceci. Là, j'ai une cartouche. Elle est insérée. Hein. Elle n'est pas vide. Donc, je ne vais pas la changer. Mais une fois que c'est vide, vous desserrez, vous en remettez une, vous resserrez. Attention avec la manipulation des cartouches de CO2, assurez-vous qu'il n'y a vraiment plus de CO2. Mettez quand même des lunettes de protection à chaque fois que vous changez votre cartouche. On ne sait jamais, hein, si un peu de pression résiduelle, elle peut dégager et puis ça peut vous taper l'œil ou les dents ou ailleurs. Hein. Ici, il y a une petite encoche, on revient la mettre comme ceci. On appuie. Et voilà! Alors qui dit CO2, cartouche haute puissance là, avec ce Chiappa. Certes on a un canon qui est relativement court, mais je me demande si on va pas dépasser quand même les 350 FPS. Je vous propose d'aller vérifier ça tout de suite au chrono. Eh bien c'est quand même une bonne surprise. Alors effectivement, en début de cartouche, ça tape un petit peu fort. Après, on va descendre aux environs des 320-330 FPS. Ça peut être trop fort pour certaines associations. Je suis très très agréablement surpris par le hop-up. Alors une fois qu'on a trouvé le bon réglage, bien sûr, et la bonne bille. Et ici, moi en l'occurrence, j'ai tiré avec la bille 0.32. Eh bien c'est pas mal. Même à 35 mètres, hein, on a réussi à toucher la cible. Or là où ça devient un peu plus compliqué, c'est que la cible est vraiment très petite à 35 mètres. Donc le moindre mouvement se ressent et puis bah, c'est vite fait de louper sa cible. Mais jusqu'à 25 mètres déjà c'est un vrai plaisir. Après je vous avoue que c'est pas quelque chose ça que j'amènerais sur le terrain. Sur une opé roleplay, oui bien sûr. Où on cherche un tout petit peu de réalisme, où on va pas avoir besoin de tirer beaucoup de billes. 6 coups ça suffirait. Mais sur une partie normale je me vois pas me trimballer avec toutes mes cartouches là. Même avec des speedloaders et puis tirer 6 billes et recharger vite fait. Hein. Je préfère à la limite avoir...
un revolver Tokyo Marui, qui est certes un peu moins réaliste dans le système d'étui, parce qu'on a 4 billes par chambre du coup, mais qui permet justement d'avoir 24 billes à disposition. Mais c'est clairement une chouette réplique, si vous aimez le Rhino, si vous l'avez en vrai et que vous voulez une réplique, eh bien vous pouvez tout à fait miser sur cette version de chez Beo Manufacture, fabriquée par Wingun et assemblée en Italie par Chiappa. Je vous rappelle le prix, dans les 250€ pour cette version collector, 170€ à peu près pour la version normale. A vous de voir si la dépense justifie votre besoin. Moi, je suis pas là pour vous vendre des trucs, les gars. Dans tous les cas, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de cette réplique. C'est vrai que j'ai pas parlé tout à l'heure du rail parce que ça me paraît un petit peu bizarre de mettre un laser ou une lampe sous un revolver, mais on a bien un rail ici, Picatinny, avec 5 encoches. Donc voilà, pour conclure la vidéo, on conclut sur un oubli. Donc dites-moi voilà, dans les commentaires ce que vous pensez de ce Rhino. Est-ce que vous l'avez acheté? Est-ce que vous l'utilisez en jeu? Est-ce que vous en êtes content? Est-ce que vous n'en êtes pas content? Dites-nous tout! N'oubliez pas de lâcher le gros like qui fait plaisir. Vous pouvez également vous abonner et activer les notifications. Ça vous permettra de louper le moins de vidéos possible. Et pour ne vraiment rien louper, je vous conseille de me suivre sur la page Facebook, sur Instagram, sur Twitch et bien sûr sur www.lentredudingo.com. J'en profite pour remercier tous les gens qui donnent, qui font des dons, qui font des achats, que ce soit chez Olight, chez Kula Tactical, qui font des virements PayPal, qui font des super likes dans les commentaires. Même si, franchement, faire un super like sur un commentaire, ça revient à donner la moitié de votre argent à Google. Donc si vous voulez vraiment aider l'antre, vous pouvez soit m'acheter des patchs, soit des répliques d'occasion. Tous les liens sont dans la description de la vidéo. Merci en tout cas d'aider à faire vivre l'antre. Merci également à tous les professionnels. Hein. Merci encore à Powergun de m'avoir fait une petite ristourne sur ce Chiappa Rhino pour que je puisse vous le présenter. J'avais vraiment envie, bon bah même si ça a mis quasiment un an, au moins je l'ai fait. Et puis plus ça va, plus les vidéos d'Airsoft sont démonétisées. Donc si vous voyez de la pub, bah, la plupart du temps, l'argent va directement à Google ou je ne sais où, mais en tout cas, il va pas dans ma poche. C'est vraiment de plus en plus compliqué d'avoir des revenus réguliers grâce à ces vidéos YouTube. Donc merci encore à tous ceux qui participent, même si j'ai bien conscience que bah, c'est pas normal que ça soit à vous de payer. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous apporter du contenu gratuit, mais au bout d'un moment, si ça me coûte des milliers d'euros par an, bah, c'est pas très viable. Voilà, en tout cas, continuez à prendre soin de vous. Si vous allez jouer le week-end prochain, jouez sérieusement, mais sans vous prendre au sérieux. Et moi, je vous dis à bientôt dans l'entrée du dingo. Bisous.